avec Mobilis. Suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, le ciel s'est montré aujourd'hui généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre. Comme on peut le voir sur l'image satellite, mais dégagé un peu nuageux à l'est du pays. Une activité pluvieux-orageuse localement assez marquée vers l'extrême sud, le Gata-Sidi, également le Sahara oriental. Mais ces pluies vont s'atténuer, mais en fin de soirée, partiellement nuageux sur la wilaya de Tindouf et Béchar. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil a prédominé. Pour demain, eh bien, le ciel restera toujours généralement dégagé sur les régions de l'ouest et le centre. Par contre, quelques passages nuageux, mais vers le centre-est du pays. À l'est, des passages nuageux qui vont donner quelques pluies durant la journée, mais ces pluies vont s'accentuer, mais vers l'extrême-est. La moitié sud, toujours des nuages bas et denses, accompagnés de quelques pluies vers l'extrême-sud, le Gata-Sidi, également le Sahara oriental, mais ces pluies seront assez soutenues vers Tassili, partiellement nuageux vers Tindouf, également le Bécharoua, mais le soleil sera bel et bien au rendez-vous au Sahara central, le Nord Sahara, les oasis, avec toutefois quelques fréquents soulèvements de sable sur le Sahara central et les oasis. Les températures durant cette nuit et au lever du jour, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 12 et 16 degrés et varieront entre 4 et 16 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 24 degrés du côté de la Saoura, 18 le minimum vers les oasis, 29 le maximum au Sahara central et enfin 27 degrés vers l'extrême sud. On va voir maintenant les maximales. Elles seront plutôt stationnaire par rapport à aujourd'hui. Le maximum 30 degrés du côté de Mascara, 28 au Rang et Tlemcen, 24 degrés à Albiyat, 22 à Alger, 20 degrés à Tizi Ouzou, également Djelfa, Annaba, 16 Sétif, 19 à Batna. Au sud, 27 degrés du côté de Biskra, 29 Gardaïa, 35 à Bécha, 41 degrés Tindouf, 36 Ilidi, 34 à Tamanrasset, Janet, 42 l'extrême sud, Insalah et enfin le maximum 43 degrés vers Adrar. On va faire un petit tour du côté du Moyen-Orient. Le ciel restera peu nuageux. Plus exactement à Khartoum, Sanaa, également Riyad et Mascat, dégagés partout ailleurs. Côté température, on relèvera 33 degrés à Damas et Amman, 37 au Caire, également Riyad, Jeddah, 29 Sanaa et le maximum 41 degrés à Khartoum. On va voir les horaires d'Al-Iftar et l'Imsak de quelques villes européennes. On va commencer par Lyon. Al-Iftar 20h58, Al-Imsak 3h54, Lille Al-Iftar 21h28, Al-Imsak 4h02, Rome Al-Iftar 20h23, Al-Imsak 3h54, Paris Al-Iftar 21h24, Al-Imsak 4h05, Madrid Al-Iftar 21h24, Al-Imsak 5h07, Londres Al-Iftar 20h44, Al-Imsak 2h35, Marseille Al-Iftar 20h55, Al-Imsak 4h04 et enfin Strasbourg Al-Iftar 21h02, Al-Imsak 3h43. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour demain, lundi 13. Mais le soleil se lèvera vers 5h43 pour se coucher à 19h45. Et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente soirée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et Sahaf Torkoum.